n'y a pas moyen de passer à Provins sans faire un petit détour par le charmant village de Saint-Loup-de-Nos. Parce qu'à Saint-Loup-de-Nos, il y a une église incroyable, une des plus belles églises d'Île-de-France et certainement un des plus beaux portails d'Île-de-France, celui que vous avez derrière moi, l'église Saint-Loup à Saint-Loup-de-Nos. Il est magnifique et en plus il est authentique, il est d'époque, il est d'origine. Vous savez que la plupart des portails, ils ont été défoncés à la Révolution parce que les portails, donc ils étaient ornés de sculptures de saints comme ça qui vous invitaient à rentrer dans les églises pour mériter le paradis, le salut, voilà. Entrer, c'est une invitation, donc ça a été fracassé à la Révolution, on leur a coupé la tête. Donc certains de ces portails ont depuis été restaurés, mais ils sont plus d'époque, alors que celui-ci, il est d'époque milieu du 12e siècle. Vous avez la vraie tête du 12e siècle de Saint-Pierre, de Saint-Paul, de Saint-Loup, et c'est charmant, c'est magnifique. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que ce portail, il est transitionnel entre l'architecture romane et l'architecture gothique. Vous savez, le roman, c'est magnifique, hein, c'est vraiment, c'est magique, c'est de l'héroïque fantasy avec des dragons, avec des monstres et tout, très à plat, comme ça, très aplati, c'est de la BD, c'est du cartoon. Avec le gothique, on commence à prendre des références un peu plus réaliste et surtout de la perspective, de la 3D. Et ben là, on est un peu entre les deux, on est entre deux âges, deux époques, et c'est vraiment très touchant et surtout très unique, très singulier. C'est pourquoi, définitivement, l'église de Saint-Loup à Saint-Loup-de-Nos, elle vaut le détour. Et à l'intérieur de l'église, que dire de son dallage, qui lui aussi est d'époque 12e siècle? Vous imaginez un peu les dizaines de milliers de vies qui sont venues ici, qui ont foulé ces pierres qui depuis lors sont lustrées, madrées par le poids de tant d'espoirs, de craintes, de serments, de rêves, de douleurs. Elles ont foulé ces pierres, ces dizaines de milliers de vies, et elles sont parvenues jusqu'à nous. Quel témoignage! C'est magnifique. Bon, c'est une église, ne faisons pas de bruit.